Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge et Magie. On fait un masque de Cthulhu. On va le faire en pourcentaire et je le fais juste pour le plaisir. Voilà, c'est pas spécialement pour être utilisé dans un stuff ou quoi que ce soit. Si j'ai du très gros jet qui sort, je le garderai. Si j'ai du jet banal, je le mordrai. Et voilà. Donc, puis PA, on a 94 depuis. Alors, on a la Vita qui est. Que faire avec ça? Je vais aller chercher autant que possible le full perf à chaque fois, donc je suis obligé de. Ou alors ce que je peux faire, c'est si j'ai pas le Vita Perf qui m'arrange, je pars en Over Vita. Ça peut être un plan aussi de faire comme ça. Me voilà déjà bien embêté dès le début. Bon, je vais commencer par faire le petit Over Sagesse. Ça, j'ai pas le choix. Moins 18. On récupère à la pas faux. Moins 3. Je suis embêté par la Vita vraiment. Bon allez, pour le plaisir de mettre plein de runes pour la première, on va y aller comme ça, mais le 345 me dérange. Moins 30, c'est pas terrible. Moins 10. Moins 5. Les réécrits, je vais y aller. Hop, on va aller chercher les 22, ça passe encore bien, c'est tranquille. La part écrit bien sûr pour aller à 25. Oh, on a du crit, c'est cool. Moins 12. Ah, ça, c'est pas incroyable, hein. 14 depuis, bon, allez, 2 tentats. 1%, est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA, allez, on continue. 90 depuis. Bon, la Vita qui nous arrange pas des masses. On va y aller à la ravie, évidemment, qui crit. On va récupérer ça sur de la récré, donc on va être embêté pour aller chercher du perf, on va pas y arriver malheureusement. L'over sagesse, moins 9. Je vais récupérer ça comme ça, voilà, parfait, ça c'est vraiment de l'optimisation totale. La rafo, qui crit, c'est moi, on a une. On va avoir beaucoup de tentats là, les amis. Ouais. On va avoir vraiment beaucoup de tentats en fait. Attendez, mais j'ai vraiment. Oui, là j'avais 90. Là j'ai pas perdu de puits, là non plus. J'ai un moins 9 là, c'est tout. Moins 5. Écoutez, 76 de puits. Si j'avais eu 2 de plus, je gagnerais une tenta. Bah, je vais tenter le succès crit à l'arrêt neutre. Ça peut faire un truc stylé, les amis. C'est l'avantage de cet item, hein, c'est que c'est facile d'avoir des grosses tentas. Bon, ça passe pas. On a quand même 12 tentas, je vous cacherai pas que c'est quand même plutôt sympathique. Let's go. Allez, 1, 2, oh, ça part bien. 3, peut-être le 4%, les amis, dès le début du FM. Pas de regret. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA, on continue. 97 depuis, si on se débrouille, on peut peut-être choper le Perf Vita. On va voir, moins 10. Ouais, j'ai 3 à récupérer, je vous avouerai que. Je mets de la païnée. Enfin, je peux y aller à la pas faux, mais ça a tellement peu de chances de passer. Païnée, comme ça je récupérerai derrière, on va dire. Allez, il me faut un moins 15, pas un moins 16. Et dommage. Voilà, si j'avais mis pas faux, j'aurais juste perdu le puits. Là, je le récupère après, donc on va dire que c'est mieux que rien. Bon, je suis un peu triste du coup. Moins 6. Ah, aïe, hein. Moins 45. Ça picote là. Hein. Mais bon, pas vraiment le choix. Je dois over à la rat. Ouais, non, c'est. Tenta pourri. Hein. Compliqué. Tant pis. 95 de puits. Tenta potentiellement sympathique. Alors, il va falloir commencer à la pavie. Moins 3. La ravie. Qui crit. Ok, là, on a une très belle tenta. Alors, je serais tenté de mettre une récré, mais si je suis à 23, je vais être embêté pour aller chercher le 25. Donc, on va mettre une rune res neutre. Ah, j'ai pas de chance. Hein. Déjà, tout à l'heure, j'ai eu moins 16. Là, j'ai moins 11. Bah, écoutez, on avait le full perf, sinon. Tristesse. Mais pas de regret, hein. Je me suis battu jusqu'au bout, les amis, avec fierté et honneur. Là, on a encore du crit. Moins 20. Encore un over de 2 un peu intempestif.
qu'on récupère. La rune cri qui passe. Moins 8. Belle tantale. Et le crit. 55 depuis. 9 tenta. Bah écoutez, c'est plutôt sympa. Dommage pour la vita, hein, mais bon, j'y peux rien. Alors. Ok. Ok, Defus. Il n'y a aucun souci. Pas de PA. 90 depuis. Bon, la vita compliquée. Hein. Problématique. Moins 10. Ouais, là, évidemment, on l'a réécrit à 23. Je peux y aller comme un bourrin, essayer d'aller à 25 en réécrit. Tiens, moi, on va faire ça, parce que de toute façon, on n'aura pas le perf, donc on n'aura pas une belle tenta. Juste pour voir à quel point c'est difficile. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va en vrai, hein, mais... Bon, je pense quand même qu'elle n'a pas réécrit beaucoup, beaucoup plus intéressant. J'avais envie de test pour voir si ça montait bien. Franchement, ça a l'air encore faisable. Je le serai pour la suite. Pas ça, moins 9. On va mettre une petite painée là-dessus. Hop. Les rafaux. Ok, moins 10, plutôt cool. Dauter. Moins 5. 40 de pluie. Bon. Je peux soit essayer de grappiller 2. Je crois que j'avais pas de pluie avant. Hein. Là, j'ai moins 1, moins reliquat. Bon, ça ressemble à du 0 de pluie, ça. Sinon, je peux espérer y aller passer une pavie et mettre une rune pod, hein, ce qui m'amènerait au full perf, mais là, à ce stade, ça va être très compliqué. Que faire? Non, on va y aller tranquille. Hein. On va essayer de monter à 42. Et sinon, si tenta, ça m'ira. Allez, si tenta. Bon, c'est pas incroyable. Si ça passe, on mettra une raise. Voilà. Une raise mêlée. Hop, si ça crit, ça me fera un item sympa. Et non, on continue. 95 de puits. Alors la vita toujours à 348, un peu embêtante. Moins 9. Évidemment. Évidemment. Attends, je perds 6 là-dessus, c'est absolument scandaleux. Les récris, allez, on va monter à 19. Et la petite par écrit, j'ai moins 5 là. Moins 12. Le crit. 63 depuis. J'ai 3 depuis en rab. Alors là, écoutez, je vais mettre la pavie. Si ça passe à la rune pod, j'ai le full perf. Alors, ça a très peu de chances de passer, mais je me dis, allez, hein, on va essayer de faire les choses bien. Donc 10 tenta. Let's go. Et un troisième. Et non. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Les amis, ça c'est une belle tenta PO. Est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO. On continue. Alors je crois que j'ai 99 depuis. Théoriquement, je pense que je peux aller chercher le full perf, on va voir. J'ai demandé au chat comment je fais pour avoir le full perf et personne n'a trouvé. Donc, ma théorie, c'est qu'en faisant... Tac, tac, tac. Moins 10. Alors évidemment, les crits sont complètement prévus. Ensuite, regardez-moi ça, les amis. Tac. Alors évidemment, le crit, hein, ça c'est la base. Est-ce que ce serait pas le boss de la forge de magie, évidemment. Alors là, j'ai plus 2,5, plus 2,5. J'ai plus 1,5 depuis. Et c'est là qu'on voit que vous n'êtes pas sur n'importe quel stream de forge de magie, les amis. Hein. Là, ici, on opti. Alors, on m'a demandé tout à l'heure de mettre une émote opti dans mon chat. Ça viendra, vous pourrez la spammer bientôt. Donc là, hop. Alors ça, c'est 10 de pod, c'est 12,5 de puits. Non, c'est pas 12,5, qu'est-ce que je dis?
C'est 2,5 de puits. Donc là, ça fait 5. Donc j'ai plus 5, moins 9. Voilà. La théorie, les amis, va nous sauver, vous inquiétez pas. Alors, par contre, là, j'ai fait le bolos. Alors, je vous fais tout un truc sur le petit. Et évidemment, je m'occupe de la sagesse avant de la force, et ça, c'est débile. Parce que maintenant, je vais être embêté. Enfin, j'aurais pu mettre deux rafaux et récupérer l'over de 9 sur la sagesse, ça aurait été bien bon. Après, la rafaux à 69, bof. Là, par contre, je peux pas faux. Moins 12. Rafaux. Moins 20. Récrit. Bon, je m'en sors, hein. Ça va. Franchement, c'est pas catastrophique non plus. Hop, moins 2. La part écrit. Moins 6. La repère. 1, 2, 3. Moins 18. 19,5 de puits. Bon, on n'a plus beaucoup de puits, mais on a le G-Perf, et ça, c'est magnifique, les amis. C'est évidemment tout ce qui compte. Le reste, à la limite, bon, est-ce qu'on a des runes? Est-ce qu'on a le PA? Tout ça, c'est accessoire. 1%, est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 96 de puits. Bon, perf sagesse, c'est cool. La Vita, il y a plusieurs façons de le gérer. On pourrait pavie et après bidouiller des runes pod et compagnie. Ou sinon, ce qu'on peut faire, et c'est ce que je vais faire, je pense, c'est... Ou alors je mets 3 pavis. Je pense que c'est peut-être ça que je vais faire. Si je mets 3 pavis... Non, c'est pas ouf. Je vais faire ravi et je vais espérer avoir un moins 6 après qu'il sort. On va faire comme ça. Hop. Voilà. Ça passe plutôt bien en plus, moins 20. Donc là, il me faut juste au bout d'un moment avoir de l'inné qui me fait moins 1. Hop. Enfin, moins 6, pardon. Voilà, moins 5, non. Moins 6, voilà. Et là, maintenant, il faut que j'espère ne pas avoir de la merde. Donc là, il me faut moins 5 et moins 5. Et voilà! Et voilà, les amis, deux fois que je vous fais des trucs de fou pour aller chercher du GPRF, et oui. Et évidemment. Allez, on enchaîne. Bah, on a le full perf, du coup. Hein. Et ça, ça fait plutôt plaisir. C'est... Ah là là, les amis. On se donne à fond ce soir, hein. Vraiment. On donne le meilleur de nous-mêmes. C'est magnifique. Ah, quand je pense qu'il y a des gens qui se seraient contentés d'un 346 Vita là-dessus. Ha ! Pas de ça chez moi. Alors, moins 10. Oui, moins 10. Hop. Moins 6. Ok, 53,6. C'est très probable que j'ai de quoi compter 54. J'ai commencé à compter où? J'ai commencé à compter là. Là, j'ai moins 1. Là, c'est dur à dire. Là, j'ai plus 0,2. En vrai, j'ai plus 0,2 sur la ligne là. En vrai, j'ai bien 0,2 depuis en rab, quoi. On me dit moins 12 et pas moins 6. Pour quand? Non. Là, j'ai moins 10. Là, j'ai moins 6 et là, j'ai crit. Donc non, on dit dans le chat moins 12. C'est moins 6. Hein. Bon, je pense qu'on va partir du principe que j'ai 54. On va voir. Hop, les décimales de puits, c'est toujours compliqué de remonter l'historique, je vous avouerai. Allez, on va dire que tout va bien se passer. Après, bien sûr, ce qui serait problématique, c'est que j'ai 3% avant d'avoir utilisé toutes les runes. Et là, bon bah écoutez. Ouais, ok, j'avais bien 54, alors bah, GG à tous. Hein. C'est un régal, évidemment. Pas de PA. 98 de puits, je pense, hein, avec un petit doute, mais je pense que c'est à peu près safe. Bon, ravi. Ravi. Ravi, ravi, moins 40, aïe. L'ado terre pour récupérer l'over. Oh putain. Non, mais c'est pas cool quoi, sérieux. Pourquoi c'est crit quand il faut pas toujours?
Mon plan était si parfait dans ma tête. Ok, je sais ce qu'on va faire. On va faire. Le problème, c'est que si je mets plusieurs runes, j'ai plus de chances de perdre un en fait. Alors, on va espérer que ça se passe bien. Moins 15, ok. Et là, il me faut moins 10 et moins 11, voilà. Mais voilà, mais c'était sûr en fait, c'était sûr. Évidemment, les amis, c'est la sauce. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'over. Moins 19. J'ai moins 6 à virer. Ok. La rafo. Ok, ça passe. La petite rune innée. Oui. Repère. Crit. 30 de puits, 5 tentats. J'ai un mini doute sur le puits, mais bon. Bah, je suis deck pour la Vita. Franchement, j'ai mis de la bonne volonté, hein, pourra pas le nier, mais. Bah, nickel. Ouais, effectivement, c'était foiré, je m'en doutais. Bon, je vous cacherai pas que j'ai pas de regrets, hein, parce que vu la gueule de l'attentat, bon. Bah, écoutez, on continue. 95 de puits. Bon, on a la sagesse à 28, ça c'est ok. On peut aller chercher le full perf. Hein. Alors, les amis, regardez-moi ça. Hop. Moins 30, bon, c'est un peu dommage, mais ça passe. Je sais que le chat essaie de me faire rire, mais dans mon grand self-control, je ne le regarde pas et je ne rigole pas du tout. Donc, ils sont déçus. Moins 9. Alors là, j'ai 3 à récup. Je peux le récupérer à la réécrit, je pense. Et oui, les amis, plus 1. Plus 1 et moins 2, donc moins 1. Et ça passe. En vrai, ça passe encore bien à 25. Hein. Je suis assez agréablement surpris, je dois dire. Mais par contre, je suis le pire des bolosses parce qu'il fallait que je mette la rafo avant. Et mais c'est le chat, il me déconcentre, il spamme de la merde depuis tout à l'heure. Et moi, je ne sais plus. Je ne sais plus FM proprement, évidemment. Oh là là, bah ils ont gagné, GG à vous. Vous êtes les boss. Alors, hop, putain, je vois même pas ce que vous dites, mais ça me fait déjà rire du coin de la bouche. Il faut pas que je regarde. Il faut rester fort jusqu'à la fin de l'attentat. Moins 18. Alors, on a le full perf, mais je vous avouerai que je suis un peu inquiet sur le puits qui nous reste. Moins 5. Ah bah, GG à tous. Bah, 6. Oh bah, yes. Bah, parfait. Bah, meilleure vie, hein. Dofus vie, Forge Magie vie, allez le PA. Et qui passe pas, on continue. Et j'ai pas rigolé, j'ai réussi. 97 depuis là-dessus. Alors. Voilà ce qu'on va faire. On va ravi, ravi. Moins 10, ok, ça passe plutôt bien. J'ai 36 à récup. Il faudrait que. Je sorte un moins 6 quelque part. Je peux mettre ça. Et là, il me faut moins 6, moins 5. Ça va le faire, ça va le faire. Ayez confiance, les amis. Ne doutez pas de moi. Moins 6. Et voilà! Mais c'était sûr, évidemment! Oh, quel niveau d'optique quand même. On fait des choses belles sur ce stream. C'est quand même quelque chose, hein. Bon, allez, on a 3 à récup, on va les mettre là. Ça crit, évidemment, quand il faut pas. Moins 9. Allez, on va y aller comme ça. Moins 30. On réécrit ou par écrit, mais quand je dis par écrit, je veux dire par écrit, hein. Je ne veux pas dire par écrit. Donc, barrer notre 1, hop, boum. Par écrit, moins 10, les dommages, bah évidemment, bah bien sûr, non mais tous les jours, hein, ça me régale, non mais oui, bah pff, allez, non mais c'est parti, let's go, on s'amuse, hein. Mais allez, oui, 95 depuis, c'est pas mal, là, ça se présente bien, on va y aller, la passe à direct, moins 18, pas vie. Pavi, pavi, pavi et pavi. Ah, c'est bon, c'est passé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 18. Ok, pas faux. J'ai envie de faire comme ça. Let's go. Oui, moins 6. Moins 20.
Ah, il va pas me rester des masses depuis, hein. Ça m'embête un peu, je vous avouerai. Moins 6. Moins 11. Moins 6. Ouais, c'est quoi cet entas de mort là? Bah, après, je vais chercher le perf, enfin, y a rien à dire là-dessus, mais bon. Le concept à la base, si vous voulez, c'était de mettre des restes pour cent avec quoi. Bon, si on a que le perf, c'est pas ouf. On a le PA. On n'a pas le PA. 91 depuis. Bon, c'est pas incroyable. Alors, on aura le full perf, ça c'est la bonne nouvelle. Mais il y a, ouais, pas mal de choses à remonter. Ok, la sagesse qui passe, c'était un peu le passage capricieux. La repère qui ne passe pas. On va jouer les congruences pour aller choper le full perf. Moins 9. Allez, ok, moins 20, c'est honnête. Ah, le crit, ouais. Il faut pas laisser des sujets, j'aurais dû monter le crit en premier. Je me disais bien, il manque un truc sur l'item et je l'ai pas vu. J'aurais mieux fait de commencer par ça. Hop, les deux terres. Moins 5. Bon, ça devrait être correct quand même dans l'ensemble, mais... Hop, moins 2. Ouais, du coup, les tentas, pas ouf, quoi. Moins 12. Bon, on a 3 tentas, les amis, on se régale. Bon, moi, c'est propre, hein. Après, ça peut faire de la tenta PO, donc il faut être positif. 1, 2 et 3. Allez, 1%, on fera une tenta res là-dessus. Et non, ça passe pas. Bon, j'ai une tenta semi-pourrie, semi-peut-être il va se passer quelque chose. Bon, on a la force max, on a la vita qui est dégueulasse. Il faut que je mette. Bon, je vais mettre le crit déjà. Allez, ça passe, ça c'est bien. J'ai 81 depuis, a priori. Il faut que je m'occupe de la sagesse. Moins 18. J'ai presque envie de balancer une Rasa, en fait. Comme l'attentat, il est un peu bizarre. Je mets une Rasa. On va grid... Enfin, je sais pas. C'est peut-être une idée de merde. Mais en même temps, si ça passe, après, je la récupère à la repère et je pars en overvita énervé. Oh, j'ai envie de jouer, tiens. Allez, Rasa. Et ça passe, bon. J'aurais bien aimé un crit, je vous avouerai. Mais franchement, on s'en sort bien. Moins 12. 21. Bah écoutez, on va faire deux ravis, là. On n'a pas grand-chose à faire de plus qu'un overvita. Ah, j'ai oublié les deux terres, en plus. Bah, GG à tous. Ouais, non, mais c'est la pire tenta. Bah, il me reste un depuis. Bah, je suis ravi. Sans mauvais jeu de mots. Pas de PA, bon. Nul. Nul à chier. Magnifique tenta, 94 depuis. On a le full perf. Donc, évidemment, ça fait plaisir. La sagesse et le crit, oh, c'est si beau les amis. Je vais y aller, pas faux. Ok, limite ça m'arrange presque qu'elle ne soit pas passée. Que faire de la force? Je peux soit deux rafaux, mais les 5 j'ai pas grand chose à en faire. Non bah du coup pas faux. On va aller chercher les 61. Ok, ça passe plutôt bien. La rafaux. Moins 20, ok ça, bon. Ça pique un petit peu, mais ça, c'est encore ok. Alors, il va me falloir des ruinés. J'en ai plus beaucoup. Hop. La ravie, je colle le crit. Et est-ce que je serais pas un devin par hasard? Incroyable. J'ai vraiment la frange magie dans les veines. Hein. Je pense que l'algorithme de RNG, il me passe dans le sang. Il me passe dans le sang avant de déterminer ce qui se passe in-game. Incroyable. Bon, ça nous fait une très très belle tenta en full perf, les amis. Là, c'est vraiment très beau. Donc là, j'ai... aïe. J'ai eu moins 5, moins 18. Bon, je perds un peu, 42. Dommage, on perd quelques tentas sur la fin, mais ça reste quand même très beau. 7 tentas sur un full perf. C'est parti. 1, 2, 3%. 3% le full perf. Est-ce qu'on aurait la chance de terminer ce FM là-dessus? Franchement, ça me mettrait bien. Ça me ferait vraiment plaisir. Allez, on croise les doigts. Alors, j'ai vu dans le futur le crit de la ravie. Là, je vous avouerai que le futur est flou. Je suis perturbé. Et on n'a pas le PA. Ah, la tristesse. Allez, on enchaîne. C'est pas grave, on aura un 4%, tout va bien. 94 depuis. Tanta qui peut nous donner du full perf. Donc, évidemment, c'est pas mal. La vita qui passe. Moins 10. Ok, j'ai 32 vita à dégager. Soit une repère. Là, c'est là que j'espère ne pas avoir un moins 31. Ok, cool. Donc, le full perf est acquis. Ça, c'est pas mal. Que faire au niveau de la force? Je pourrais y aller à la RAFO à 76 et récupérer l'over. Mais je pense qu'on va y aller plus tranquillement
A61 into 71. Ok. 4 moins 12. Moins 10, ouais, c'était le bon call, je pense. La petite runinée qui passe. La passe à. Allez, je call le crit. Hé hé. Évidemment, toujours ma capacité de divination, les amis. C'est absolument époustouflant. Le crit à nouveau. Et le crit. Belle tenta, hein, 54. En plus, on a un pile pour la multiple de 6. Les amis, on se régale. Les tentas full perf qui s'enchaînent. Incroyable. Peut-être la deuxième tenta 3%. Et non. Alors là, par contre, ça peut faire une très belle 2% PO. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. On enchaîne. Alors, 82 de puits, c'est pas forcément une tenta incroyable. En revanche, j'ai un cas de figure qui peut être intéressant. On va essayer d'aller choper le full perf à partir du 303. Donc, comment faire? On met une pavie. On met une ravie. Si ça passe, c'est mieux. Bon, je pense que ça ira pas très loin, mais c'est juste pour l'exercice technique, on va dire. Ensuite, une innée. Et là, il me faut un moins 5. Ok. Et j'aurais voulu, en fait, que l'innée ne passe pas. Donc, je vais mettre une vie pour essayer d'enlever l'innée. Yes. Et la rune pod. Et voilà, on chope le full perf. Les amis, là, c'est, vous voyez vraiment la passion de la beauté du truc, quoi. C'est vraiment, on est là pour faire des choses magnifiques. Le crit. On va quand même essayer d'aller au bout de l'attentat, mais je vous avouerai que je suis assez pessimiste. Alors là, on a un truc vraiment immonde. Alors allez-y, là, pour compter le puits, c'est vraiment un casse-tête. Mais c'est pas grave. On enchaîne. Alors, niveau du puits, là, j'ai plus 0,1. Là... j'ai rien du tout en fait. Ça se compense parfaitement. Et donc là, j'ai moins 6. Et les deux pods, ça pèse donc. Si 8 pods, ça pèse un réécrit. 2 pods, ça pèse un quart de réécrit, donc moins 0,5. Moins 0. C'est ça, hein? Moins 0,5. Ça me paraît bizarre. Je me demande si c'est pas plutôt moins 0,1. Bon, de toute façon, on est dans le sens où on prend de la marge, donc on va dire que ça ira. Hop. J'ai un peu zappé la force. Je l'admets volontiers. Moins 6. Mais c'est pas grave, celle-là, je l'ai fait un peu à l'arrache, mais c'était juste pour trahir de la Vitax. C'était du beau jeu, en fait. Moins 10. Hop. 21, bon, de toute façon j'ai 3 tentats, j'ai pas grand chose à faire de plus. 1, 2 et 3, le PA qui passe pas. 95 de puits, on est bien embêté sur la Vita. J'avouerai que je pense qu'on va partir en over Vita du coup, parce que là ça va nous coûter trop cher d'aller chercher le perf. Alors le crit pour commencer, moins 10. On va y aller à la faux. Parce que comme ça, j'aurai un over de 2. Enfin, elle n'a pas faux, je veux dire, évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, moins 15. Et l'over de 2, je le récupère ensuite à la réécrit. Il faut toujours un petit peu regarder la tête des lignes et anticiper comment on va gérer les overs. Le crit qui fait plaisir. Et là, ah, le crit, ça... j'en avais pas besoin de celui-là. Bon, bah du coup, ok. Là, limite, je suis content que ça passe pas. Comme ça, je récupère à la paire écrit ensuite. À la répère. Moins 24, ça pique un peu, mais ça va. La passa. Qui crit. 46 de puits. Allez, on va mettre 2 pavis, 4 avis. Parce que là, vraiment, allez, on va se faire un petit tenta en over vita, ça va pas nous tuer. 4 avis, c'est quand même sympa. 1, 2. Si j'en ai une deuxième qui passe, ça fait un truc stylé. Non. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 90 de puits. Bon, on a le perf sagesse. Mais ça, on l'a de chaque fois. J'ai une strat pour le perf vita, vous allez voir. J'ai demandé au chat s'ils savaient comment on faisait. Ils n'ont pas trouvé, évidemment. Mais je vais leur apprendre. Donc, moins 3. Tac. Regardez-moi comme c'est magnifique. Alors. Bon. On va aller chercher le perf vita. Alors après, est-ce qu'on a le GPerf et des res? Bon, ça c'est accessoire. Voilà, bon. Comment dire?
Voilà, moi je vois un Père Vita. Le reste après, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce qu'on fait vraiment de la forge magie pour avoir des items qui se terminent? Non, tout ce qu'on veut c'est du Père Vita. Allez, next. 91 de puits, je pense avoir un peu de rab d'avant, mais voilà, je vais pas me tracasser. Le Père Vita va être assez chaud à choper. Ce que je peux faire. Ce que je peux faire, c'est pas ça. Déjà. Moins 9. Ensuite, Pavi. Ah. On va Pavi, je pense. Il en faudra encore une, voilà. Donc là, j'ai moins 12. Et après, il faut que j'ai ma Ravi qui passe et que j'ai du moins 6 qui sortent. Vous allez voir. C'est évidemment opti. Tac. Bon, on perd du puits, mais il n'y a pas trop d'autres solutions. Et là, ce qu'il nous faut, c'est avoir du moins 6. Ah, pas de chance. Et évidemment, c'est là qu'il va arriver le moins 6. Non, bon. Non, bah écoutez, j'ai test, hein, pas de regret. Hop. Ça se tentait. Voilà, j'avais 4. 4 Tenta, il me fallait 2-6 sur les 4 et j'avais le Père Vita. J'ai essayé. J'ai donné tout ce que je pouvais. Hop. Ah, décidément, ça veut pas. Qu'est-ce qui se passe là? Le jeu ne veut pas me donner mes. Bon, faut dire que je tryhard un peu comme un full Père Vita. Bon, je reconnais, je reconnais. 88 depuis, alors enfin, va falloir encore jouer un peu de la sorcellerie pour aller chercher le full perf. Bon, c'est jouable, hein. C'est jouable. Je vois de la congruence là, je vois de la congruence, les amis. Ça va le faire, regardez, évidemment. Tac, tac, tac. Ça commence à m'embêter ces ravis qui ne passent pas quand même. Il n'y a rien sur l'item, au bout d'un moment, Dofus fait un effort quoi. Bon, parce que là, du coup, moi j'avais mon full perf quoi. Ça commence à faire un peu beaucoup si vous voulez. C'est un peu chiant en fait. Bon, on va enlever ça comme ça. Si ça veut bien, ok, là il me faut une rafo. Ok, bon ça passe. On va récupérer la récri comme ça. Ah vous voyez, il y a l'idée quand même, mais bon, évidemment si je perds 60 de puits à chaque fois que je m'occupe de la Vita, c'est compliqué. Pas opti pour faire des items. Alors on a un perf quoi. Et on n'a pas le perf. 94 de puits. Alors là, le 399 Vita, ça va être compliqué de négocier avec, hein. Bon, je vais arrêter de faire le troll et de balancer la moitié de mon puits pour gagner un de Vita. On va essayer de faire quand même quelques tentas qui ressemblent à des tentas parce qu'au bout d'un moment, à la base, on était là pour faire de la forge magie. Ok. On va accepter un 349. Bon. Je peux entendre que peut-être c'est mieux. Allez, on va mettre la force maintenant qu'on y est. Yes. Alors, la récré, on avait vu que ça passait encore assez bien à 25 à la rune. Voilà, hop, au calme. Et évidemment, les dommages. Oh, on a du crit. Alors, effectivement, quand on tryhard pas pour gagner un de Vita, il nous reste du puits pour faire des tentas repair à la fin. Je prends note. Je prends note de cette information. Alors, évidemment, 52, je pense pas avoir du rap d'avant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va espérer un crit à la rune ré simple. Ok, bon, c'est mort. Donc, 8 en tas. C'est parti. Allez, 3%, yes. Bon, c'est quand même sympa. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 95 depuis, j'ai peut-être un peu de rap d'avant, mais là, je pense que je tombe à 0 là-dessus. Petit doute. La Vita. La Vita, opti, évidemment. Let's go. Tac, tac. Et voilà, ça passe mieux. Là, j'ai mis plus de conviction, évidemment, les ravis passent mieux. La double pod. Hop, j'ai gagné 0,2 du coup, Baozef. Les pas faux. On a une belle tenta full perf là. Potentiellement grosse tenta. Moins 10. Les rats qui passent plutôt bien. Moins 6. Ouais, très belle tenta, les amis. Magnifique. De l'art, comme on dit chez moi. Hop. Alors, je suis juste deg. Parce que. Moins 6. Il me manque 2. Alors, est-ce que j'avais 2 drabs? C'est ça la question.
Bon, là, j'ai moins 4. Ah, moins 4, en vrai, c'est chaud. Moins 4, là, j'ai un plus reliquat, je sais même pas ce que c'était. Ce serait bien qu'on puisse voir, même sur les lignes en malus, enfin, en rouge comme ça, quand même, la rune qu'on a tenté de passer. Ce serait une sacrée amélioration qu'on pourrait faire pour la FM. Bon, 58, je pense vraiment pas avoir de rabbin. Je vais donc tenter le crit à l'arrêt neutre. Crit, crit. Neuf tentats. Peut-être que si j'ai que 2%, je tenterai un troisième, juste pour voir si j'avais du pi ou pas, par curiosité. J'ai eu un crit. Ouais. Non, j'ai envie d'avoir une tentative PO, on va quand même y aller sur le PA. Et on n'a pas le PA. 94 de puits, alors. Bon, la Vita, un peu embêtante. Va falloir over les trois lignes, là ça va être un peu complexe, mais je peux avoir le full perf. Ok, ça crit, oh c'est beau ça, c'est tout ce qu'on aime. Allez, là il me faut un moins 5. Quand je veux du moins 6, j'ai du moins 5, quand je veux du moins 5, j'ai du moins 6. Bon, alors là par contre je suis un peu saoulé. Moins 30. Ah, dommage. Allez, là pas ça. Moins 9. J'ai le petit over à récupérer comme ceci. Bon, ça va nous faire quand même peut-être une tenta sympa. Voyez encore, hein. Il faut que les dommages ne soient pas trop capricieux. Et on va dire que ça ira à peu près. Allez, moins 15, moins 20. 29 de puits. Tiens, on va grid, on va dire que j'ai 30. J'ai pas compté très très haut la résistance. Ah, j'ai oublié les récris. Ah oui, effectivement, ça va faire encore moins du coup. Moins 6, donc on va dire que j'ai 24 parce que je suis pas remonté très haut dans le comptage depuis et comme le jet il est éclaté, on va grid. Hop. Effectivement, je les avais. Si ça passe, on tentera un crit à la rien du tout. Allez, on enchaîne. 99 de puits sur ce PA qui vient de tomber. On va pouvoir aller chercher le full perf. Quand on est en. Bon, allez, je vais arrêter de vous saouler avec mes congruences, mais voilà, on y est. Donc, let's go. Moins 6. On va aller chercher les petites runes pod. C'est capricieux les ravis quand même. Hop. Hop. Non! Non, pas maintenant! Pourquoi? Ok, donc ça nous fait quoi ça? Ça nous fait plus 0, 2. C'est quoi ça? Je perds mes moyens, les amis. C'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Ça, c'est plus 2,5. Moins 10. Ouh, c'est bon, ça n'a pas duré longtemps. Le stream a failli partir hors de contrôle, mais tout va bien. Tout est safe. Moins 18. Je souffle. Les récris, on va les bourrer comme ça. Là, j'ai eu moins 4, plus 1, moins 2, moins 2, moins 2, plus 1, ah, moins 16. La vie, pas facile tous les jours, hein, comme on dit. C'est dur. Bon. Pas de PA. 95 de puits. Bon. Je vois exactement comment on va procéder. On va faire pas ça. Enfin, on va faire ça, mais du coup, pas ça, quoi. Hop, voilà. Moins 9. Là, il faut que je récupère l'over. Hop. Et je suis tellement sage que je vais me contenter d'un 349 Vita pour éviter de, une fois de plus, défoncer mon puits dans le vent. Je suis un homme mesuré, comme vous pouvez le voir. Et là, évidemment, la force qui va faire un petit over qu'on va récupérer sur le récri. C'est vraiment au petit, hein. Là, il n'y a vraiment rien à dire. C'est magnifique. Moins 2. Et les récris, moins 12. Ok. Allez, j'aimerais bien un crit là, comme ça je reste un truc propre. Non. Moins 5, bon, 31 de puits. Ouais, 5 tentats. Ça peut faire du 3% 5 tentats. Hein.
Bon. Ah, j'aurais peut-être mieux fait de tryhard le père Vita. Je dis ça, je dis rien, moi, après. Allez, on continue. Bon, quatrième fois que j'essaie d'enregistrer cette séquence. Puisque j'ai eu un freeze, sur ma dernière tenta. Pourtant, j'ai terminé par 8 tentarez qui ne sont pas passés, comme vous pouvez le voir. Mais le PA est passé, on se retrouve avec un G-perf. Et depuis, à chaque fois que je veux faire ma séquence, le chat me spamme que ça lag. Je ne sais plus si ça lag ou pas, donc on y va comme ça, Géronimo. On a évidemment du coup ce full perf. Certains me proposaient de mettre un PM, un PO, etc. Évidemment, c'est nul, hein, sur un item appui PA, quand on n'a pas d'exo en plus, on ne fait pas ça. Donc on va simplement trans, voilà, bah écoutez, ça fait un truc propre. C'est pas aussi jouissif qu'un 3% perf ou qu'un 4% qui passe, mais écoutez, ça fait quand même un truc sympathique, ça partira en HDV. Et puis si j'en avais besoin pour du PVP, bah, je crafterais un autre exemplaire de l'item et je continuerai. Mais là, comme c'était juste pour le plaisir de manipuler un peu un Cthulhu, bon, on va s'arrêter là et puis on passera sur un autre item. Voilà, donc petite rune Tadossor, ça se vendra bien, je pense. On a quand même un full perf Tadossor, donc normalement en HDV, ça part comme des petits pains. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire que tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.